J'ai neutralisé les super-mutants. Les habitants de la colonie sont soulagés de ne plus avoir à s'en inquiéter. C'est génial. Les civils n'ont aucune chance contre les super-mutants. Je vous préviendrai si j'entends. Profitez-en pour proposer. Hey. Ici Radio Liberté, il est 4h du matin. On a perdu des éclaireurs récemment. Rien à signaler pour le moment. Restez à l'écoute. Exactement ce que je ferais si je préparais une attaque. On a fait un appel aux volontaires. On manque pas de bras. Mais ce serait une bonne idée de rentrer. Les troupes ennemies se dirigent vers le château. Appel à tous les miliciens, venez en renfort au château. Un groupe d'assaillants vient par ici en provenance de Boston Sud. Thank you.
cesse le feu. J'espère que c'était utile. À vous de terminer. Ici, Radio Liberté avec un flash spécial en direct du château. Des troupes ennemies se dirigent vers le château. Appel à tous ici. Venez en renfort au château. Un groupe d'assaillants vient par ici en provenance de Boston Sud. D'assaillants provenant du sud-ouest. En direct du château. Appel à tous les miliciens, venez en renfort au château. Arrivée d'assaillants provenant du sud-ouest.
De tir accompli. On arrête là. Quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Ici Radio Liberté, la voix des miliciens. Il est 7h du matin. Rien à signaler. Faites attention à vous. Ici Radio Liberté, en diffusion ininterrompue dans tout le Commonwealth. Rien à signaler. Veillez à votre sécurité. Excusez-moi. On leur a montré ce qui arrive quand on s'en prend aux miliciens. Je prends le relais, général. Je crois pas que quelqu'un va venir nous chatouiller. Ok. Bravo à tous. Ça a été difficile, mais on s'en est sorti. Ça leur apprendra. Après ça, ils réfléchiront à deux fois avant d'attaquer les miliciens. Le moment n'est pas encore venu de se lamenter sur nos victimes, ni de se vanter de notre victoire. Nous sommes les miliciens, nom de Dieu. Il faut toujours être prêt pour le combat suivant. Alors on se remet au boulot. Ici Radio Liberté avec un compte-rendu de la bataille pour le peuple du Commonwealth. Nous avons repoussé l'ennemi à présent dispersé. Nous allons maintenant reprendre le cours normal du programme. Radio Liberté vous remercie de votre attention.
à vous signaler. Restez à l'écoute pour ne rater aucune alerte. Radio Liberté en diffusion ininterrompue dans tout le Commonwealth. Rien à signaler. Veillez à votre sécurité. Vous écoutez Radio Liberté, la voix des miliciens. Rien à signaler pour le moment. Restez à l'écoute. Radio Liberté en diffusion ininterrompue dans tout le Commonwealth. Rien à signaler. Faites attention à vous. Sur la situation. It's always good to have backup. Rien d'autre pour l'instant. Okay. Thank you.
Dieu! Merde! Oh, ils vont tous mourir! Qu'est-ce qui vous est arrivé? Les pillards. C'est ça qu'il y a. Ces pourris ont enlevé ma famille. Il faut que vous m'aidiez. Je vous en supplie. Vous êtes dans un sale état. M'en parlez pas. En fait, c'était des pillards. J'ai réussi à m'enfuir. Mais ma femme et moi... Nuka World fonctionne toujours? Je dirais pas ça. Il est dans des provisions en pagaille, de l'eau potable. Laissez-moi d'abord vous aider. J'ai un steam pack. Non, ça va aller. Gardez-le. J'insiste. J'en ai plus qu'assez. Merde. Écoutez, vous avez pigé le truc. Je suis pas vraiment blessé, ok? J'en ai marre de jouer à ce jeu. C'est les pillards de Nuka World qui m'ont forcé. Ils attirent les gens et ils les tuent pour s'amuser. Mais je veux plus faire leur sale boulot. Et tant pis s'ils s'en prennent à moi. Laissez-moi vous aider. Je vais les trouver. Inutile de mettre votre vie en danger. C'est vrai. Tenez, prenez ça. C'est le mot de passe du... Le moyen le plus rapide d'aller à Nuka World, c'est le Nuka Express. Mais je l'ai coupé pour faire croire plus facilement à mon histoire. C'est plus crédible si je dis que j'essaye de tenir les pillards à distance. Vous pourrez le remettre en route à l'aide du... Hey! Sure. Oh. Looking good. Un avis sur la situation. I couldn't agree more. C'est tout pour l'instant. Ok. Nuka World est ravi d'annoncer qu'une petite part du coût de votre entrée sera reversée en soutien aux hommes et aux femmes qui se battent à l'étranger. En cas d'urgence, veuillez rester calme et obéir aux instructions de sécurité fournies par les employés de Nuka World. Merci à tous.
part de la New Cola Corporation. Nous souhaitons la bienvenue à chacun d'entre vous à bord du monorail New Express. Pour votre propre sécurité, merci de rester assis, de vous tenir aux mains courantes lorsque le train est en marche. Si vous regardez sur la droite du monorail, vous pouvez observer le célèbre mont pétillant de Nuka World. Haut de plus de 100 mètres, le mont pétillant est la plus grande structure artificielle de Nuka World. Venez profiter de son restaurant panoramique 5 étoiles, le Grill du mont pétillant. Droit devant vous, se dresse le cœur de Nuka World, Nuka Town, avec l'arène de Kolaka. Tiens, tiens. Regardez qui se pointe quand même alors qu'on lui a dit la vérité. Harvey a bien fait son boulot, on dirait. Je n'ai que quelques instants. Alors écoutez-moi bien. Je m'appelle Gage. Porter Gage. Et notre cher Harvey vous a pas vraiment dit toute la vérité. Vous avancez quand même tout droit dans la gueule du loup. Mais si jamais vous vous en sortez, j'ai une offre intéressante à vous faire. En attendant, amusez-vous et offrez-nous un bon spectacle. Je n'en manquerai pas une miette. Attention, mes indésirables. Si vous avez remarqué, on va avoir de la viande fraîche dans l'arène. Being close to you too. Un avis sur la situation? I've always found that... Rien d'autre pour l'instant. Well, I'm here. Et c'est parti! Espérons que notre nouvelle croix trouvera un peu d'inspiration en pensant à tous ceux qui ont échoué avant lui. Heureusement qu'on a d'autres surprises en réserve pour lui.
Norman. Ah, notre souffre-douleur a réussi à ramasser un petit caillou. On va voir combien de temps il pourra venir avec ça. You can't stop me. Si la victime n'accélère pas, on va tous mourir d'ennui. Ça y est. Retire comme un écureuil à la broche. Monsieur se prend pour un manure, hein, mais la reine n'a pas encore fini avec lui.
dépêche un peu. Peu importe ce qu'on fait, la reine nous rattrape toujours à la fin. Passez aux choses sérieuses. Cette porte.
valve ne suffira pas pour couper le gaz. Vous ne faites que perdre du temps. Ça y est. Sergent Marx, compte rendu du premier jour. On m'a ordonné de partir en reconnaissance autour de Fort Hagan et d'évaluer le terrain. Bouge-toi, collectif ! Il reste pas grand-chose dans le secteur. Les bâtiments ont déjà été pillés, mais la station de ravitaillement Red Rocket a du potentiel. J'irai voir ça de plus près demain. Pour l'instant, je vais me trouver un coin sûr pour camper. Sergent Marx, compte rendu du deuxième jour. Je suis tombé sur un civil qui cherchait de l'aide. Vu qu'il était déjà blessé, j'ai laissé mourir. Pas la peine de gaspiller une balle. J'ai vu quelques pillards emmener sa famille dans un endroit appelé Nuka World. Mais ils étaient bien armés. Je vais aller y jeter un œil. Mais ça fait pas partie de mes ordres. Sergent Marx, compte rendu du troisième jour. Je suis dans un genre de labyrinthe. Je crois que ce connard que j'ai abandonné m'a amené ici intentionnellement. Je parie qu'il était même pas mourant en fait. Je me suis bien fait avoir. Ce labyrinthe a l'air interminable. Je suis presque à court de steampack. En tout cas, il vaudrait mieux pour eux que j'y reste. Si je m'en sors, je vous jure que je vais tous les massacrer jusqu'au dernier. Surtout ce putain d'annonceur. Allez, la victime, t'attends qu'on meurt de vieillesse ou quoi ?
fait un moment. C'est bon? Tout est bon chez Gage? Ouais, boss. Pas trop tôt. Va m'éteindre cette putain d'alarme. Ok, je m'en occupe. Bon, alors, où est-ce que... Ah, voilà ma nouvelle victime. Bon, on dirait que ça va pas durer longtemps. Voilà comment ça fonctionne. Va t'équiper, rends-toi présentable et reviens ici qu'on offre un petit spectacle à tous ces gens. Un spectacle au cours duquel je décorerai les murs que tu vois là avec ta matière grise. Avec cette armure, il peut y avoir qu'un seul gagnant. Moi. Si tu crois que ton armure assistée va t'aider, laisse-moi te dire que tu rêves. Ok, Gage, laisse-le passer. Quelque chose me dit que je vais me régaler. Donc c'est un lâche, pigé. Ça c'est sûr que les combats loyaux, ça l'a jamais intéressé. Vous voulez gagner? Je l'ai déjà. Bien. Parce que c'est... Ouais, ouais, je sais de quoi ça a l'air. Ses défenses et vous aurez le temps. C'est comme si c'était fait. J'aime ce genre de discours. Bon allez, c'est l'heure.
terrain, la puissance de l'arène a chuté de 30%. C'est vous qui avez fait ça? Pas mal. Vous allez tout de même avoir besoin du flingue, mais ça devrait aider. Sweetie. Un avis sur la situation? Friends take care of each other. No matter what. C'est tout pour l'instant. Well, I'm here. Attention. Have you got all the gear you need?
Qu'est-ce que je vous avais dit? Comme sur des roulettes. Ce type était un moins que... Mon cul. Je sais bien que vous comprenez pas ce qui se passe et que tout a... Se débarrasser de Colter, maintenant qu'il est mort, la... Tout ce que je vous demande, c'est de me faire confiance. Ok. Ben voyons. Et tant que vous y êtes, vous allez m'offrir un... Ok, ok. J'ai pigé. Il y a 3 gangs de pillards qui mènent la... Bien. Et oui. Des fois que leur nom, à cause de Colter, je crois que vous êtes capable... Pourquoi moi ? On en reparlera plus tard. Maintenant, j'imagine que vous avez... Retrouvez-moi au fief du grand... Je vais vous ouvrir la porte. Voilà. Vous nous faites cravacher sans interruption. Vous vous attendez à quoi ? On s'attend à un peu de gratitude. On s'assure que vous ayez assez à bouffer et à boire. On vous protège. Sans nous, vous seriez de la chair à verre de sang. Donc soit vous faites votre boulot pour gagner votre protection. Bien le bonjour, jeune homme. Bienvenue à Nyoka World. Je suis Mira, votre... Non, je vais me remettre au travail. C'est mieux. Je ne suis plus un jeune homme depuis longtemps. Vous savez, tout le monde dit ça. Avant que vous ne commenciez votre grande erreur. T'as fini de me faire perdre mon temps, récupérable. Vous avez l'air de souffrir de... Le seul dysfonctionnement ici, c'est l'abruti qui se tient devant moi. Je devrais peut-être régler ce problème. Système rétabli. Oups, pardon pour ce petit bug. Mes données indiquent une falsification non autorisée de mes sous-programmes de personnalité. Veuillez contacter un technicien... Dites-moi plus sur cette... Les systèmes internes ont enregistré une mise hors tension et un... Lorsque les fonctionnalités ont été restaurées, plus... Mes récepteurs audio ont enregistré toute la scène et j'ai soumis un enregistrement sur... Ne vous en faites pas. Même avec cet incident malheureux, je suis... Et comme j'allais le dire, j'ai... Bien. Assurez-vous de récupérer les médailles si vous avez des questions. Et n'oubliez pas, c'est... Pas de questions pour le moment. Dans ce cas, erreur... Tu es encore là ? Système, passez une excellente... Je travaille dur, comme toujours. J'ai chopé un marchand en train de trouver de la bouffe. Ah ouais ? Qu'est-ce que tu lui as fait ? Je l'ai balancé de l'autre côté des portes. Sans déconner. Ouais. Le dernier chef de meute, Mason, les a couverts. Tire au rat de pigeon. Ils sont cons, ces marchands. Que je comprenne bien. Un type réchappe de l'arène, élimine le chef, et maintenant on est tous censés le suivre. Comment c'est possible ? C'est même pas un pillard ! Tout ce que je sais, c'est que Gage était dans les montagnes l'autre jour, et qu'il a eu une longue discussion secrète avec Misha, en privé. Gage ? On s'en tape de ce mec. Qu'est-ce qu'il a jamais fait par ici ? Eh, je te dis juste ce que j'ai vu. Si tu veux en savoir plus, t'as qu'à aller demander à Misha. Qui sortirait de l'ordinaire ici. Peut-être quelque chose
de cachet de la forme d'une capsule de bouteille. Je croyais qu'on vous avait dit de rester au marché. Si vous voulez quelque chose, vous le trouverez là-bas comme tout le monde. Je m'en fiche de votre marché. Je n'ai pas parcouru des centaines de kilomètres pour faire des courses. J'imagine que t'es pas venu non plus pour prendre une balle dans le crâne. Si tu veux vivre, je te conseille de rester à ta place. Pour l'hospitalité, on repassera. Nuka World, j'ai toujours voulu venir ici et mon rêve est enfin devenu réalité. C'est un endroit incroyable, vous trouvez pas? Oui, on peut dire que c'est plutôt impressionnant. C'est le moins qu'on puisse dire. On imagine facilement les enfants, heureux et sous. Je m'appelle Syrah. J'ai fait le voyage depuis les terres désolées de la capitale pour visiter ce... Vous avez peut-être entendu... Bien sûr, le musée du... Sans rire? C'est génial! Je suis contente. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. Tenez, laissez-moi vous rendre l'appareil. Il est plus... Enfin, bref, je resterai bien discuter, mais... Qu'est-ce que vous cherchez? J'ai pas vraiment envie de vous le dire. Rien de personnel, c'est juste que je vous... Je garderai votre secret. D'accord. À vrai dire, chut. Je pense qu'on peut me considérer comme la plus grande fan. Je collectionne tous les produits dérivés. Mais ce ne sont pas des lunettes de soleil ordinaires. Le gagnant de ce concours aurait eu... Brad Burton. Tout juste! Vous m'épatez, dites donc. Il n'y a plus beaucoup de gens qui le savent. Donc, pour remporter le concours, sur chacune de ces images se trouve un code ou... Oui, je sais ce que vous pensez, mais je suis prête à parier. Cette formule était l'un des plus grands mystères du monde des sodas. Si vous voulez bien m'aider... Pourquoi pas, j'en apprends. C'est vrai? Vous êtes nouveau ici. Je vais vous donner mes lunettes Capi et ce... Notez les indices que vous trouverez. J'en connais un rayon sur le Nuka-Cola. Bonne chance! On se fait vraiment chier depuis que Nisha a pris cette alliance. On a des flingues, c'est vrai. Et on peut faire des... C'est plus marrant quand on se bat dans une passion. Gage. Bienvenue chez vous, chef. C'est chez vous ici maintenant. J'espère. Maintenant que vous êtes aux commandes, vous avez le contrôle de tout ce que vous voyez là. Si c'est vraiment moi qui donne les ordres... Voilà, c'est exact. Écoutez, je vais être franc avec vous. Pour ça. Mais une chose est sûre, ce sera pas moi. Je suis pas un meneur d'hommes. Et je serai plus utile en aidant le nouveau grand Manitou. PG, Gage. Bon, je sais que c'est... Bien. Faut prendre un peu de recul pour avoir une... Immense. Construit comme une pute. On a fait le plus dur. C'était un putain d'exploit d'arriver à faire bosser ensemble. C'était il y a un an à peu près. On a des... Et là, disons que Colter a commencé à se tourner les pouces. Les gangs ont commencé à s'impatienter, à se chercher des... Dans quoi est-ce que je suis en train ? Au début, c'était que des broutilles. Des gars qui s'échauffaient, quelques discussions houleuses. Les gangs ont commencé à s'approprier autant de territoire que possible. Si on ne fait rien pour calmer les choses, ça va déjà... Je peux y arriver. Je peux arranger. Ah ouais ? Je vais être franc avec vous. J'ai entendu parler de vous. Je me fous pas mal de leur petite croisade, mais je connais les gangs comme personne. La première chose à faire, on vous demande pas de leur faire confiance. Vous savez comment je pourrais m'y prendre ? Ouais, d'accord. Les disciples aiment la violence. Les opérateurs sont surtout intéressés par l'argent. Ok. La meute, je sais pas. S'ils ont tous peur de... Doucement, vous emballez pas. La plupart de ces malades ont... Techniquement, vous êtes déjà le nouveau grand Manitou. Donc, bon, vous avez fait le... Faut aller voir leur chef. Parlez-leur. Allez, on s'y met. Ouais, c'est ce que... Faut juste leur montrer que... Si vous avez besoin de moi, je serai...
prudence. I'm ready. Did you need anything? Prudence. I love that face. Un avis sur la situation. All in a day's work for the hero of the Commonwealth. C'était tout. Okay. Vous voulez quelque chose, chef? Ici votre présentateur préféré, Red Eye, qui félicite chaudement notre tout nouveau grand Manitou. Eh ouais, des fois que vous soyez pas au courant, Colter est mort. Il sert de petit déjeuner vert, là. Non seulement quelqu'un a survécu à l'arène, mais il a aussi affronté et battu Colter. Vous avez quand même intérêt à assurer. J'entends déjà des gens parler d'un accord secret entre Gage et les gangs, disant que celui qui a tué Colter prendrait sa place. Vous y croyez, vous? J'ai pas choisi ce type. Pourquoi est-ce qu'il deviendrait le grand Manitou? Je veux dire, ouais, si j'avais su qu'il cherchait quelqu'un, je vendre. Proposer ma candidature, mais je baisse jamais ma garde. Enfin bref, j'ai hâte de voir ce que notre nouveau chef a prévu. En tout cas, ça pourra pas être pire que Folter. Vous êtes qu'une grosse bande de psychopathes, et c'est pour ça que je vous aime. Vous écoutez Radio Pillard, et ceci est pour vous. Hé, chef. Je dois avouer que ça m'a fait plaisir de voir Colter tomber. Max, il me faisait vraiment peur. Quelque chose, j'en faisais des cauchemars. Le monde président sera redécoré avec du sang d'opérateur. Ah, ça a l'air sérieux. Vous ne savez pas de quoi je suis capable. Vous avez tout à fait raison, chef. Donc, j'imagine que ça doit être un job. Je n'ai pas choisi ça. J'essayais juste de survivre face à ce cinglé en armure assistée. Je suppose qu'on aurait tous fait pareil à votre place. Bon, je suis sûr que vous avez mieux à faire que de me parler. Qu'est-ce que vous avez? Un peu de tout. Pas maintenant. Aucun problème. Je repensais quand Mademoiselle Chase. J'ai plein de matos pour vous, chef. Vous avez déjà raconté cette histoire, bande de nazes? Peu importe. De toute façon, j'ai envie de la raconter. Donc, Bogle. Oh. Salut, chef. Félicitations pour Colter. Je n'ai pas encore décidé si je veux le... C'est compréhensible. Mais que vous... Pardon, je suis un peu sur les nerfs. Je ne voulais pas vous manquer de respect, chef. C'est que... Ça, et puis... C'est vous qui fixez les règles, maintenant. Vous pouvez... Vous pourriez... Bien. J'admets qu'on m'a un peu forcé la main pour prendre ce boulot. Comme ça, on pourrait peut-être enfin changer... Les gangs qui ont élu domicile ici sont déjà sur le point de s'entretenir. Vous pourriez risquer votre vie en essayant de les en empêcher. Ou, quand tout sera terminé... Vous pourrez régner sur Nuka World du haut, okay. Sauf que vous pourrez enfin dormir. Je devrais tous les tuer? Non, bien sûr que non. Si vous voulez vraiment faire une... Ça veut dire abattre Nish. Sans leur chef, les gangs vont... Je crois que je ferai... Je suis ce qui ressemble le plus à un docteur ici. J'ai aussi des fournitures médicales. Un médecin? C'est une longue histoire. C'était une bataille acharnée. J'ai obtenu un cessez-le-feu à condition que je... Quand il s'est installé ici, maintenant, c'est... Que puis-je faire pour vous? Ça ne m'intéresse pas. Très bien. J'ai de la peine pour ces marchands.
Bienvenue dans le nid, chef. On se demandait si vous alliez vous décider à venir. Démarque pas, tu vaux pas la peine qu'on te regarde. Si tu peux. Non seulement quelqu'un a survécu à l'arène, mais il a aussi affronté et battu Colter. J'entends déjà des gens parler de Raccoon Sauveur. Il a été dedans en disant que celui qui a tué Colter prendrait sa place. Vous y croyez, vous? Pourquoi choisissez-vous? Où est-ce qu'il vient d'arriver? Si j'avais su qu'il cherchait quelqu'un, je lui proposais la candidature, vous voyez? Enfin bref, j'ai hâte de voir ce que notre nouveau chef a prévu. En tout cas, ça pourra pas être pire que Colter, hein? Ici Red Eye, en direct de Radio Pillard. Vous aimez ça et vous le savez bien? Note générale, à tous les connards qui envoient des mots disant que vous pouvez faire ce boulot bien mieux que moi, allez vous faire foutre. Et quelque chose pour vous. Vous avez déjà entendu des morceaux par-ci, par-là, mais cette fois, c'est Red Eye qui pilote, le maître compteur en personne. Dans la meute, on montre tout. Vous êtes une grosse bande de psychopathes et c'est pour ça que je vous aime. Vous écoutez Radio Pillard et ceci est pour vous. Mason vous attendait. Une note vient tout juste de nous parvenir.
Hey, Red Eye, paraît que tu te demandes d'où viennent les super mutants. T'as pensé à poser la question à ta mère. Très classe, connard. T'es un mouton ou un loup ? On dit que les super mutants vont être tragiques. Les enfants vont faire un bras. Pardon, général ? Les boulots pourris qui manquent. Salut, ici. Harve. Mais y a rien de pire que nettoyer la tanière. Je voulais de vous dire, sans rancune. Ok. Ça va, je comprends. Merci. Si ça... J'ai perdu ma vraie famille quand Colt. Maintenant, ces marchands. Chaque fois que Colter m'envoyait tromper des gens pour les faire combattre, mais je suis. Ne vous en voulez pas, Harvey. C'est bon à entendre, chef. T'as envie de mourir ou quoi ? Oh ! La vie est trop courte pour s'emmerder avec des conneries. Faut s'éclater comme si c'était le dernier jour. Tous les jours. C'est pas facile de gérer les autres. On a tous un peu la chance. Ici votre présentateur préféré, Red Eye, qui félicite chaudement notre tour. Ah amenez-vous. Eh ouais, il voit quelque chose. Prends Colter et mort. C'est ça, il y a tous les enjeux. Non seulement quelqu'un qui arrête, il a aussi un J'entends déjà des gens parler d'un accord secret. Si vous n'êtes pas au courant, les choses sont passées de mauvaises à franchement merdiques.
Notre nouveau grand Manitou s'est retourné contre nous et a fait un massacre parmi les pillards. Vous autres, si vous voulez essayer de le démolir, allez-y. Quant à moi, je me casse d'ici. Considérez ça comme l'annonce officielle que Radio Pillard rend l'antenne. Définitivement. Oui. Génial. Hey. Ouais.
crois que... Quelqu'un t'aurait pas dû...